Salut tout le monde! Munie de mon plus beau savon, on s'en va voir Chantal en bio. Suivez-moi! Moi, c'est Chantal Nau, je suis enseignante au département de biologie depuis 1992. 92? J'étais même pas née. Quand ça fait 32 ans qu'on enseigne, on est rendu qu'on enseigne à la deuxième génération. J'ai eu les parents, maintenant j'ai les enfants. Enseigner au cégep, ça ressemble à quoi? Il y a plusieurs volets. Il y a le volet préparation des cours. On passe beaucoup de temps à préparer des examens. On adapte nos examens. Faire des examens, mais ça vient toujours avec la correction des examens. Alors, corriger, c'est long. Un moment drôle de mon passé comme enseignante, c'est un moment donné, je m'en allais pour enseigner dans une classe et quand je me suis approchée de la classe, j'entendais quelqu'un qui enseignait dans ma classe. Mais j'avais l'impression que je m'entendais enseigner, c'était exactement le thème, les mots. Je m'entendais enseigner, puis quand je me suis approchée, je me suis aperçue que c'était une de mes étudiantes qui m'imitait, mais elle m'imitait à la perfection. Alors ça, j'ai toujours trouvé ça vraiment drôle. C'est un moment drôle de ma carrière. C'est le plus beau métier du monde. C'est un métier, oui, mais c'est aussi une vocation. On ne veut pas devenir prof de cégep juste parce que les conditions ont l'air attrayantes. Il faut aimer enseigner, il faut aimer les jeunes. Ce qui me met le sourire aux lèvres à tous les jours, c'est vraiment de rentrer dans ma classe, être avec mes étudiants, puis leur expliquer les grands principes de biologie. J'aime encore ça après 32 ans.